Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo masque pour nos cheveux secs. Donc si vous avez des bananes extra mûres que vous ne pouvez pas manger, ne les jetez pas, gardez-les au congélateur pour votre wash day. Vous enlevez la peau et vous les écrasez. Donc je vous conseille vraiment de les écraser au mixeur pour ne pas avoir de résidus. J'ajoute de l'après-shampoing hydratant. Donc vous ajoutez de l'après-shampoing hydratant de votre choix pour rendre le mélange encore plus hydratant et encore plus démêlant. Voilà, j'ajoute l'après-shampoing et je mixe bien. Et ensuite, je vais ajouter de l'huile de monoï. Donc cette huile, vous pouvez la trouver à Abidjan, au supermarché, dans le rayon lait corps. Voilà, donc c'est du monoï de Tahiti. C'est un peu comme de l'huile de coco, mais c'est parfumé. Donc je vais ajouter ça dans le mélange et je vais mixer encore. Une fois que c'est prêt, on a cette texture lisse et crémeuse. Je vais passer maintenant à l'application. J'applique ça sur mes cheveux en massant bien mon cuir chevelu. J'applique ça sur toute ma chevelure. Vous allez voir comment le masque va pénétrer dans mes cheveux, va disparaître dans mes cheveux. Donc, vous voyez, ça commence déjà à disparaître. Plus mes cheveux absorbent le masque, plus le masque disparaît et mes boucles se définissent. Une fois que j'ai fini d'appliquer le masque, je couvre avec un chapeau en plastique pour générer de la chaleur pour que le masque pénètre encore plus mes cheveux. Et ensuite, je vais rincer le masque et passer à mon coiffage habituel. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Essayez chez vous et dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!